Eh bien, salut YouTube, comment ça va? Moi, ça va bien. Alors, on va commencer un let's play sur Final Fantasy VII Remake, que je n'ai jamais joué. J'ai fait la démo, mais sans plus. Allez, c'est parti pour l'épisode 1. Alors, nouvelle partie. Choisissez comment contrôler la caméra, tester le mouvement de la caméra avec E. Bon, on va faire comme ça, normal. Classique, mode de jeu qui vient facile, notes plus élevées. Alors on va jouer en normal. Vous pouvez changer en cours de partie dans le menu principal système réglage. Ok. Allez les mecs, c'est parti. Waouh! Putain, il s'est bourré! Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais le réglage du son en même temps là. Il est sérieux, lui? Ah ouais, quand même. Final Fantasy VII Remake.
Réacteur Mako, numéro 1. Alors là je joue, hein, attention. Bon, la démo ça se passait ici. Putain, cette épée. Oui monsieur, qu'est-ce qui se passe? Où vais-je? Je vais m'en occuper. Appuyez sur carré vous permet d'attaquer les ennemis avec l'épée de Cloud. Maintenant carré lance une attaque frappant les ennemis autour de soi. Ok. Oh mon dieu, c'est super. Ah, j'ai monté de niveau apparemment. Oh, on a les objets là, 6 potions et 0, ouais, ok. Go. En fait, les mecs m'aident pas, en fait. La jauge ATB est composée de deux barres. Elle se remplit petit à petit avec le temps et lorsque vous attaquez avec carré. Ok. Allez, ça dégage. Vous pouvez utiliser des compétences, des sorts ou des objets en combat quand au moins une barre de jauge ATB est pleine. Pour accéder à ces commandes, X, menu des commandes. Compétences, inflige de grande quantité de dégâts, ouais. Et ça. Oh mon dieu! Oh, combien il est possible de tenir diverses informations sur le jeu à tout moment grâce au menu principal, options et à la carte où figurent notamment les objets de quête. Lorsque l'icône ce truc apparaît à l'écran, il suffit de déplacer le personnage dans la direction indiquée pour qu'il effectue une action contextuelle comme sauter au-dessus ou passer en dessous d'un instant. Ok, d'accord. Alors, le menu principal vous permet de consulter l'inventaire ainsi que l'attribut du personnage ou encore de sauvegarder ou de charger une partie. Ouais, on va voir ça après. L'icône vous permet de voir vos destinations dans le cadre de l'histoire ainsi que les environnements. Ok, on était là. Et notre objectif est là, s'infiltrer dans l'enceinte du réacteur. Ok, let's go. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec la garde E1. En cas de réussite, la jauge ATB se remplira un peu. Vous pouvez également esquiver les attaques ennemies avec rond. Rendez-vous gentiment. Ouais, moi je vais bourriner, moi. Qu'est-ce qui se passe? J'arrêterai tout. Ouais. Il s'est désintégré, le bougre. Donc, le jeu de gun apparaît parfois. Oui, oui, oui. Lorsque maintenir apparaît dessus de l'icône, il essaie de garder. Ok, d'accord. Premier coffre, 2 potions.
Lorsque vous apercevrez des caisses portant le logo de la compagnie Shinra, essayez de les détruire avec carré. Ok. Ce sont ces caisses. Une médaille Mog. Dis, c'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp ? Il a tiré un trait sur sa carrière ? Et son nom, c'est quoi déjà ? Ancien soldat, qu'il a dit. Oh. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Mais c'est moi, Cloud. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Ah, d'accord. Apparemment, on est là pour une mission. S'infiltrer. Les mignons, c'est déjà ça. C'est reparti. Les visages, c'est quoi, on sait pas, non ? Disons que tu joues pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est comme comparer. C'est bon, je t'ai dit. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein ? Wedge. Putain, le jeu est beau. Hein. Ah oui, je suis sur PS4 Pro. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. Vous avez intérêt, les mecs. Je travaille pas gratis, moi. Concentrez sur un ennemi en particulier en utilisant le verrouillage de la cible et A3. Et A3 activé, désactiver le verrouillage de cible. Changer de cible. Ok. Oh putain, y'a un chien. Je vais commencer par toi. Putain, les combats sont dynamiques. Ouais, faut pas que j'oublie les compétences. Un et deux. C'est fini. Vas-y, attaque. Ah, le chien, il est résistant. Il est en état de choc là. C'est le moment de bourriner. Ouais, ça dégage en fait. Cloud, regarde, je t'ai renvoyé l'ascenseur. On t'attend plus loin. Ok, merci l'ami. Je suis comment niveau vie? Ouais, c'est bon. On peut courir avec L3. On a de la compagnie. Je te les laisse. Ok, je m'en occupe. Compétence choc transpirant. Le chien. Waouh! Attends, il m'a lancé un truc.
Attends, je vais prendre une potion. Pour voir combien ça, ça me remet. 350. Ah, mais... Il y a des caisses qui contenaient rien. Ah oui, maintenir. Ok, je vous suis. Mais lui, c'est un fou, lui. Complètement dingue, lui. Là. Attends un peu. Biggs va pas tarder à ouvrir les portes. Ok, dépêche-toi, Biggs. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là ? Ferme vite. Vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec triangle. C'est de Cloud lui permet d'alterner entre les modes combat normal, logique, ses attaques sont vives, et bravo du soldat où il frappe fort. Oui, j'ai vu ça déjà. Il est seul contre nous. Lorsqu'il utilise bravo du soldat, Cloud donne des coups beaucoup plus puissants avec carré. Il effectue également des ripostes contre les attaques rapprochées. Hein? Ok. Oh mon dieu. Les combats sont dynamiques. Ça donne des frissons. Concentre-toi. Ouais, ils arrivent quand le combat est fini, eux. Couvre nos arrières. Il y a rien là-dedans. Allez. D'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Cloud, reste avec Jesse. Il y a un coffre. Que ce Phoenix. Ah, ça c'est pour... refaire vivre quelqu'un, ça. Ah oui. Il m'attendait. T'es un ami de Tifa, ce qui paraît. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? Tu m'ignores encore ?
Tifa et moi. C'est passé quoi avec son bras, lui? C'est un Terminator? Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie, Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si tu continues à pomper l'énergie, Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ouais, ouais! Va te faire soigner. Hein? Tu te fous de moi? C'est un ouf, lui. Il va se calmer direct. Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. On va contrôler le gros. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Ah. Essaie de pas me décevoir. Ouh. À jouer l'équipe Barrett Wallace. Grâce au canon qui est greffé à son bras droit, Barrett peut tirer à distance sur ses ennemis. Maintenant, carré lui permet de faire des salves continues. Ce personnage est possiblement utile pour abattre des ennemis que Claude ne peut pas atteindre avec son épée. Compétence spéciale de Barret. Appuyer sur le triangle permet une grosse décharge. Compétence spéciale de Barret qui effectue une puissante attaque durant. Et remplit une grande partie. Ouais, salut. Ça m'a saoulé. Voilà, il y a l'attaque triangle qui se recharge en bas. Mais il est mort. Il est parfois préférable de changer de personnage avec ça pour faire face plus efficacement à certaines situations en combat. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la liste des commandes des personnages que vous ne contrôlez pas avec EA2 ou EA2 et ainsi leur faire utiliser les compétences des sons ou des objets. Là, on va prendre Cloud. Non. Il est pas mort, lui? Paf. Bon, on avance. Cloud, regarde ça. Des rideaux laser. Je m'y attendais. La
température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Mais bien sûr que je sais. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé hey! Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Alors, comment il est possible de faire courir le personnage afin de se déplacer plus rapidement? Pour cela, il suffit de maintenir EA1 ou EA2 appuyés. Vous pouvez également sprinter en appuyant une fois sur L3. Dans ce cas, le personnage continuera de courir jusqu'à ce qu'elle arrête de se déplacer. Oui, je sais ça, putain. Voilà, pas, même pas besoin de courir. Vite! On voit que tu es solide. Oh putain! Ah! Ça, c'est trois coups rapides et un coup on peut passer. Oh! Ça a failli me toucher. Deux potions. On est tout près de notre objectif. Regarde. On surnomme ces machines les nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous aider. Que c'est que ça? Pas si on les réduit en pièces en premier. On va juste les détruire en fait. La magie devrait bien l'endommager, mais faut l'utiliser. Ah ben. Waouh! Exécuter les attaques particulières ou afficher un certain nombre de dégâts à l'ennemi, puis momentanément. L'indicateur de l'agilité apparaît au niveau de la jauge, oui. Utiliser des composants ou des sorts pour remplir petit à petit la jauge de choc. Situé dessous de sa barre de points de vie, lorsqu'elle est pleine, il subit alors l'état de choc. Le remplissage de cette jauge varie en fonction des compétences et des sorts. Ainsi, blablabla, blablabla. À vous trouver, ok. On va faire un sort. Il est presque en état de choc. Voilà choc. Lorsqu'un ennemi subit l'état de choc, il est complètement à la merci de vos attaques et vous lui infligez des dégâts plus importants. Utilisez la compétence spéciale triangle des personnages dans cette situation lui permet de remplir sa gestion plus rapidement. À vous d'en profiter pour essayer avec vos compétences et vos sorts les plus puissants. On va prendre Barrette et on va faire grosse décharge. Compétences, âme brave, nettoyeur. Ah oui, ça, ça l'a fait mal, ça. Ouais, salut mon pote. On est juste le boss, les boss en fait. Je suis première classe. En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. Quand on dit que t'es jeune, c'est ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord, d'accord. Première classe. Et un endage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Ouais, il y en a encore de ces bestioles. Enfin, de ces machines. Allez, on descend. On va aller au réacteur. Ah ben voilà. Ben voilà, en fait. On arrive au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. On va tout faire péter. On approche. On approche. Ça
Lui, c'est un fou, lui, hein. Calme-toi, mon pote. Elle va attendre là, elle a dit. Tu peux pas nous aider, la fille, là? Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Ce sera pas long. Compétence. Oh, ça dégage. Oh, on va changer de personnage. Voilà, ça c'est bon ça. Ouais, je l'aime bien, lui. En avant. J'aime bien son... son minigun. Réservoir de Mako. Let's go. Point de progression mise à jour. Ok. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa, pour te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. Qu'est-ce qui se passe ? Il a des flashbacks ? Je compte à rebours. 20 minutes. J'espère que t'es sûr de toi. T'inquiète. Ah, un boss. Oh mon dieu. Mais il est vulnérable à la foudre. Utilise la magie. Ah, faut y aller. Utilisons la magie. Ah mais j'ai pas de jauge. Des potions. Barrette. Et moi. Bien.
Oh non. Cet ennemi utilise des attaques imparables qui leur permet de capturer un nouveau personnage. Lorsque cela arrive, il suffit de changer de personnage puis d'attaquer l'ennemi pour briser son étreinte. Ok. Tu lâches mon pote en fait. Saut, foudre. Effectue un tir puissant. Réduit tempérament des dégâts subis. On va l'attaquer comme ça. Hein. La musique, c'est du bon. Faut l'attaquer avec du feu. Enfin avec des sorts. Ah voilà. Sort foudre. Il craint la foudre. Tiens la caméra. Oh merde. Je compte sur toi. Mets ton mec plein la nuit. Ça va être moi la peine de te passer. Merde, ça te paye. Il a décidé de nous faire chier. On va faire un soin sur Barrett. Je parle pas trop, je suis concentré là. Potion Cloud. Vas-y, bois-lui le cul. Ah, il va s'envoler là, non? Ouais. Oula. En fait, c'est lui qui va détruire le réacteur. Ah oui, il faut se cacher là, vite. Je compte sur toi. Maintenant, ils vont jamais se défendre. Allez, ensemble. Sors. Ah, j'ai plus de PM. Objet. Ça, c'est pour les PM, ça. Barrette. Sors, foudre. Go. Non, le
feu, non? Allez, ça dégage là, vite. Oula, là on a pris la sauce. Je compte sur toi. So, food. Merde. Je l'ai même pas eu. Compétences Ambav. Allez, ensemble. Eh merde. Saut, foudre. J'ai dit la foudre. Je vais crever bientôt là. Complètement dingue notre ami. Alors, on va mourir. J'ai détruit sa patte. Objet, ça, barrette. Sort foudre. Gardien ou pâtre? Pâtre. C'est bon ça. Il va falloir se casser les mecs. Sortons de là. Ouais, l'échelle. Bon, super combat, hein. Mais... j'arrive pas trop avec le système de combat. Enfin, j'ai compris, mais... je sais pas. Ah, il faut les tuer. Ok. Voilà. Déjà fini ? Allez, mon pote.
Non mais elle, qu'est-ce qu'elle fout là-bas, elle? C'était là, ça? Ouais, c'était là. Dépêche-toi là. La sortie est par là. Dépêche-toi. Hop. Cloud, qu'est-ce que tu fais? Il faut se dépêcher. Allez, je me dépêche. Je me dépêche là. Et là, la bombe explose. Et maintenant ? Tu pars devant, Jesse ! Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes ! Et vous ? Je le sais faire ! J'ai un super soldat avec moi ! Ancien super soldat. Et voilà! Faut les arrêter! Vous n'allez pas nous emmerder! Ça va bien vous prêter! T'inquiète pas, ça prendra 5 secondes. Bon, on va prendre lui là. Lui, c'est bien lui. Oh no! Allez pas m'énerver! Y'a un truc là, non? Non. Il est quand même fort, le Barrette. Oh non. Vas-y, on se casse, Barrette. Vite. Viens, Barrette. Attends, je prends les caisses. On va le brûler, lui. Alors, ça t'a plu ? Je suis en train de crever actuellement. Potion. Merde. Putain, je fais n'importe. Je fais n'importe. Compétence. Ouais, oh merde. Il m'a juste détruit en fait. En fait, je pars pas. Je pars pas les attaques ennemies. Putain, je suis nul en fait. On va prendre Barrette.
saut. Esquive, comment ça? Voilà, enfin. Putain. Vas-y, go. Ouais, ils vont détruire tout. Lui, il est calme. Mais tout explose. Ça va aller. J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. Ouais, Jean. Les crayons de vérité. Ah, ok. Ça aurait pu détruire la ville. Midgar. Ouais. Ça, c'est les astuces. Tout le monde est là. Chapitre 2. Pas de bobo. On s'en est bien sorti à la fin. T'y es pas allé un peu fort, là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Ouais. Il y a quoi là-bas? Ah, ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Oh, sérieusement, ça chlingue grave là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Allez, calmez-vous les gars. Bon les mecs, on va s'arrêter là pour l'épisode 1. On se retrouve dans le prochain épisode. Hein. Et la démo s'arrêtait là, je crois. Donc ici, je sais plus... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer ici. Bon, à plus dans l'épisode 2. À la prochaine.